entraînement après entraînement, match après match, nous nous sommes préparés comme jamais. Cette équipe a terriblement progressé, puisqu'on est passé numéro 3 au classement de la FIFA. Alors, il y a bien sûr des objectifs. Quand on est numéro 3, c'est quand même difficile de se cacher. Mais je pars du principe que nous, on est des outsiders. On n'est pas les favoris de cette Coupe du Monde. Laissons ça à des équipes comme les USA, les Allemandes, les Japonaises, les Canadiennes. Mais on a énormément d'ambition. Énormément d'ambition parce que on fait pas mal de résultats. Voilà, deux grands objectifs. Le premier, c'est le podium, parce qu'on n'est jamais arrivé. Pour certaines filles, c'est le moment ou jamais. Le podium, c'est synonyme aussi de participation aux Jeux Olympiques, au Brésil, à Rio. Et puis, deuxième objectif, c'est préparer l'avenir, parce qu'on a une Coupe du Monde en 2019 en France. Il y a toujours eu de l'envie, il y en a toujours eu, sincèrement, on est toutes des compétitrices. Quand le coach il dit qu'on a toujours envie de s'entraîner et de progresser, ça a toujours été le cas. Donc là, c'est sûr que le fait d'avoir eu quelques échecs auparavant, on se dit peut-être que c'est la dernière chance pour décrocher une médaille ou une coupe.